Bonjour à tous, excepté un échec à Fontainebleau à la mi-avril, le numéro 3, Inciralo, pardon, a toujours répondu présent depuis ses débuts avec notamment une bonne deuxième place à ce niveau sur les 2000 mètres de Lyon-Paris. Ce sera une première pour se protéger de la Team Lerner sur la distance, mais cela pourrait bien s'avérer être un atout de plus dans son jeu. Un conseil, ne le sous-estimez pas. Je vais également me méfier du numéro 5, Syllabub, une véritable modèle de régularité qui vient de le faire de toute une classe à ce niveau sur les 2300 mètres de Sénone. Cet élève de François Monfort va devoir logiquement supporter une pénalité de 5 livres, mais je pense qu'elle possède la marge pour passer outre. Elle peut, à mon sens, doubler la mise. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Cote dans la sixième.